Mais ça, je ne relance vraiment à la position de au bazar au tal à en direct pour te au tal dans la résidence. Un message pour les amis ou pour les gens qui ont été Maître du désordre et pour détruire la ville, pour avoir pour attaquer des gens. Je n'ai pas eu que le SOS du journaliste congolais, j'ai aussi des SOS de journalistes israéliennes qui sont partis, qui sont venus nous voir pour qu'on les protège, qu'on les sécurise et qu'on les amène à l'aéroport. Vraiment, nous dénonçons la marche de déstabilisation de notre capitale au moment où l'Est est en guerre, au moment où il y a des mouvements des inciviques dans certains coins du pays comme à Kwamout. C'est pas le moment de venir encore troubler la quiétude des Congolais et des Congolaises. Si l'opposition a des propositions à faire pour le développement du pays, alors qu'ils parlent de leur projet de développement et comment ils vont l'amener et que nous allons tous aux élections pour que nous puissions voir qui on va choisir. Mais vraiment laisser la ville en pleine quiétude. Le président de la République est un président pacifique. Il a fait une lutte pacifique pendant 37 ans. Il n'est pas un dictateur. Il laisse l'opposition s'exprimer. Mais ce n'est pas l'occasion pour que l'opposition fasse des dérapages, utilise des enfants pour attaquer la police, qu'on commande à leurs militants d'agresser des journalistes qui portaient. Ces dames ne portaient aucun polo d'un parti politique quelconque. Elle avait juste ça, son arme de journaliste qui est une caméra. Et comment on peut se mettre à agresser une dame comme ça en public? Et on se dit militant d'un candidat président. Je suis venue condamner tous ces actes odieux que les militants de l'ensemble ont fait, que les militants de l'opposition ont fait sur de paisibles citoyens. Et nous voulons vraiment que qu'ils assument la responsabilité et qu'ils se mettent tous devant la justice pour expliquer comment est-ce qu'ils ont fait des marches pour trouver la quiétude des peuples. À cette jeunesse-là qui continue à être manipulée par les hommes politiques en mal de positionnement, un message? Je vais leur dire ceci. Vous avez devant vous un leader, le président de la République, qui est un leader qui a un grand cœur pour ce pays, qui a fait beaucoup d'œuvres pour ce pays. Il a travaillé dans la gratuité de l'enseignement, dans la santé, dans les infrastructures, dans la paix à l'Est. Il se bat jour et nuit pour cette population. Que personne ne vienne vous manipuler, que personne ne vous trompe à cause de l'argent. Parce que cette marche, ce n'était qu'une question d'argent, et non pas d'idéologie, et non pas de projet, et non pas de vision. Alors, jeunes Congolais, concentrez-vous sur le développement de votre pays et faites votre choix, sanctionnez ce que vous pouvez, sanctionnez le choix de ces politiciens qui n'ont pas de projet mais qui ont de l'argent pour vous manipuler. Ces pays... Sur le règlement,
des hommes.